fényrészecskék milliárdjaiból, fotonokból áll. Különböző közegeken halad át terjedése során, ez lehet a felhő, felhőzet, vagy lehet a tenger. Terjedési tulajdonságai mind a hullám természetét igazolják. Egyenes vonalban terjed. Nézzük meg ezt egy zseblámpa fényénél. Le trajet de la lumière. Or, si la lumière se voit de face, lorsque la source lumineuse est devant vous, elle ne se voit pas de profil. Alors, nous avons choisi de représenter la lumière de profil de cette façon. Et comme la lumière n'est pas instantanée, mais qu'elle se déplace, nous la ferons avancer de cette manière. Bien sûr, gardez en tête qu'ici, la vitesse est considérablement ralentie. Fin du XVIIe siècle, avec les observations d'Olaus Römer, un astronome danois, et 50 ans plus tard, les travaux de James Bradley, un astronome anglais, qui savait pertinemment que les valeurs obtenues manquaient d'étonnants dispositifs et des machines époustouflantes, toutes plus ingénieuses les unes que les autres, permettant de mesurer la vitesse de la lumière, non plus en observant les astres, mais sur Terre, en la... machine à roue dentée, avec laquelle il estima la vitesse de la lumière à 315 300 km par an, et son miroir tournant qui proposa 298 000 km. Puis mesurer le temps que met la lumière pour parcourir cette distance. En effet, vous connaissez la formule V égale D sur T. La vitesse est égale à la distance sur le temps. Jette un caillou. Attention, ce n'est pas l'eau qui avance, hein. C'est l'énergie produite par la chute du caillou qui se déplace et qui met l'eau en mouvement. La lumière. Et la longueur d'onde qu'on note, lambda. La fréquence, c'est le nombre d'oscillations qui se forment en une seconde. Cette fréquence se mesure en hertz. Ici, regardez, une, deux, trois. Trois oscillations en une seconde, ça fait 3 hertz. La longueur d'onde maintenant, eh bien, c'est la distance qui sépare deux crêtes. Elle se mesure en mètres. Alors, qu'est-ce que ça nous... V égale lambda par F. Les ondes radio, les rayons X, les rayons ultraviolets, les rayons infrarouges, ces ondes n'ont ni la même longueur d'onde, ni la même fréquence, mais elles se déplacent toutes à la même vitesse. Heureusement pour nous, c'est ce qui nous permet de suivre des matchs de foot en direct à la radio ou à la télévision, de téléphoner ou de jouer en réseau avec des consoles sans fil. Scientifiques mettent au point des outils pour mesurer la longueur d'onde et la fréquence des ondes utilisées. En 1973, l'américain Evanson, en mesurant avec une grande précision la fréquence et la longueur d'onde d'un laser hélium-néon, obtient une vitesse sachant, d'après la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, que la lumière a une vitesse constante dans le vide, que l'on appelle désormais célérité, les scientifiques décidèrent alors d'inverser le problème. Plus question de mesurer la vitesse de la lumière avec ce mètre étalon. En revanche, ils vont définir le mètre grâce à la vitesse de la lumière. Comment fonctionne-t-il? Le principe est assez simple. En connaissant
la distance séparant le récepteur GPS de 3 des 24 satellites GPS placés en orbite autour de la planète. Eh bien, on connaît la position du récepteur GPS sur la Terre. En fait, les satellites émettent des ondes radio qui sont captées par les récepteurs. Ces récepteurs, grâce à une horloge très précise, connaissent le temps mis par ces ondes radio pour aller à une distance précise au centimètre près. Bien sûr.